بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 6 sur le cours des inéquations niveau 2e année collégiale Royaume du Maroc. L'année scolaire 2018-2019. X est un nombre rationnel. Résoudre les deux inéquations suivantes. Petit a, 7 facteurs de 2x moins 1 moins 8, inférieur ou égal à 2 facteurs de 4x moins 3 moins 6. Petit b, moins 4 facteurs de 5x plus 3 plus 11, inférieur strictement à 8 facteurs de 2x moins 1 plus 5. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre ces deux inéquations. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Donc, je vais écrire ici réponse. Petit a, x est un nombre rationnel. On a, puis je vais copier cette inéquation, et je vais la porter ici. Donc 7 facteurs de 2x moins 1 moins 8 inférieur ou égal à 2 facteurs de 4x moins 3 moins 6. C'est-à-dire, donc je vais développer le produit 7 facteurs de 2x moins 1. 7 fois 2x c'est 14x. Plus 7 fois moins 1, c'est moins 7, puis moins 8, inférieur ou égal, 2 fois 4x, c'est 8x, 2 fois moins 3, c'est moins 6, puis moins l'autre 6 qui se trouve ici. On va simplifier cette expression mathématique, 4x, 14x, moins 7, moins 8, c'est moins 15, inférieur ou égal à 8x, moins 6, c'est moins 12. Cela signifie que 14x moins 8x est inférieur ou égal à moins 12 plus 15. N'oublie pas, si on déplace un terme d'un membre d'une inéquation à l'autre, on change son signe. 14x moins 8x, c'est 6x. Moins 12 plus 15, c'est 3. Maintenant, on va se débarrasser du facteur 6, on va multiplier les deux membres par son inverse. Son inverse, comme vous le voyez, est strictement positif. Donc le sens de l'inégalité, ou bien le symbole de cette inégalité, ne change pas. 1 sur 6 fois 6, c'est 1, et 1 fois x, c'est x. Inférieur ou égal à 3 sur 6. Après réduction, 3 sur 6, c'est 1 demi. Qu'est-ce qu'on va écrire finalement ? Oui, tous les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 1/2 sont les solutions de cette inéquation. Je vais écrire cette phrase. Tous les nombres rationnels inférieurs ou égaux à 1/2 sont les solutions de cette inéquation. On passe maintenant à l'autre inéquation. Petit b, x est un nombre rationnel. On a moins 4 facteurs de 5x plus 3. Plus 11, inférieur strictement à 8 facteurs de 2x moins 1 plus 5. C'est-à-dire, je vais développer moins 4 facteurs de 5x plus 3. Moins 4 fois 5x, c'est moins 20x. Plus moins 4 fois plus 3, c'est moins 12. Plus 11, inférieur strictement à 8 facteurs de 2x moins 1. 8 fois 2x, c'est 16x, 8 fois moins 1, c'est moins 8, plus 5. Je vais simplifier cette expression mathématique. Donc ça donne moins 20x, moins 12 plus 11, c'est moins 1, inférieur strictement à 16x, et moins 8 plus 5, c'est moins 3. Je vais regrouper les termes qui ont le même inconnu x entre eux, et le nombre connu entre eux. Ça donne moins 20x moins 16x inférieur strictement à moins 3 plus 1. Moins 20x moins 16x c'est moins 36x
Et moins 3 plus 2, plus 1, c'est moins 2. Donc maintenant, je vais multiplier les deux membres de cette inégalité par l'inverse de moins 36. Vous savez pourquoi? Oui, parce que tout simplement, je vais me débarrasser du facteur moins 36. Je vais changer le sens de cette inégalité, donc moins 1 sur 36 fois moins 2. Parce que tout simplement, j'ai multiplié les deux membres de cette inéquation par le nombre rationnel strictement négatif, qui est moins 1 sur 36. Moins 1 sur 36 fois moins 36 est égal à 1. Toujours un nombre fois son inverse est égal à 1. Cela donne x supérieur ou égal, moins 1 fois moins 2, c'est 2, sur 36. Et je peux réduire cette expression mathématique ou bien ce nombre rationnel par 2, ça donne 1 sur 18. Qu'est-ce que je vais écrire finalement? Oui, tous les nombres rationnels strictement supérieurs à 1 sur 18 sont les solutions de cette inéquation. Je vais écrire cette phrase. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.